Au Brésil, où le corps exposé au soleil presque toute l'année est devenu sacré, les femmes font de plus en plus souvent appel à la chirurgie esthétique, un acte devenu banal et qui a ses modes. Antoine Guélo et Laurence Aubade nous les dévoilent. Dieu a créé la brésilienne, sensuelle et séductrice. Une femme parfaite depuis que des chirurgiens plastiques aux doigts d'or s'occupent de remodeler son corps. À Rio, comme partout au Brésil, l'apparence est pour les femmes ce que le football représente pour les hommes. Une obsession, une passion à laquelle on voue un culte. Les brésiliennes recourent à la chirurgie esthétique dans trois cas de figure. Pour gommer les imperfections, réparer les outrages du temps, ou bien pour être à la mode. Mais attention mesdames, cet hôtel particulier abrite une clinique spécialisée dans la chirurgie esthétique. 200 établissements luxueux de ce type sont en concurrence dans la seule ville de Rio. Les clientes y passent deux ou trois nuits, moyennant une somme coquette, 50 000 francs, prix forfaitaire comprenant l'opération et le séjour. J'ai voulu des chambres calmes, tranquilles, apaisantes, pour que mes clientes aient l'impression d'être comme à l'hôtel. Après l'opération, les patientes brésiliennes veulent se sentir comme chez elles, comme à la maison, loin des atmosphères que l'on peut rencontrer dans un hôpital. À 37 ans, Nina vient de subir sa deuxième opération de la poitrine. Soucieuse et heureuse de plaire, elle envisage d'autres transformations de son corps dans les années à venir. Elle évoque le plus naturellement du monde une petite retouche du visage. Pour les petites rides, là, on peut retarder le lifting. En revanche, on peut en faire un là. Au Brésil, la chirurgie esthétique est un sujet de conversation comme les autres. Avec mes amis, on en parle tout le temps dans notre club de gym. On est toujours à la recherche de quelque chose à améliorer, à modifier sur son corps. On se donne des conseils. Tiens, change ceci ou cela. Quel est le meilleur médecin? T'as ses coordonnées. Ici, ça se passe comme ça. On veut tout changer de poitrine. On est toutes refaites au Brésil. Malgré leur talent reconnu dans le monde entier, les professeurs brésiliens ne garantissent pas 100% de réussite. Parfois l'opération est un échec sur le plan purement esthétique, mais il arrive aussi que les patientes craquent parce qu'elles ont confondu chirurgie et magie, beauté et bonheur. C'est même souvent le premier cadeau des grands-parents. Presque une tradition.